C'est le petit nouveau de la première liste de Kaba Jawara. Morgan Gilabogi est né en France à Toulon le 10 mars 1998 et a été formé par le club de la même ville. Petit frère de l'international français et capitaine du club allemand de Wolfsburg, Joshua Gilabogi, il fera un passage d'une saison en U17 à l'AS Saint-Etienne avant de revenir dans son club formateur. Et c'est à 18 ans qu'il effectue des débuts remarqués avec l'équipe réserve de Toulon, alors en National 3, en inscrivant notamment un triplé quelques jours après son anniversaire en mars 2017. Lors de la saison 2018-2019, l'attaquant athlétique d'1m88 est l'un des principaux artisans de la montée de Toulon en National 1 grâce à ses 9 buts en championnat. La saison suivante, Morgan a confirmé sa montée en puissance en National 1, devenant un élément incontournable du système offensif du club varois. Grâce à ses prestations, en juin 2020, il découvre le monde professionnel en s'engageant avec le Paris FC en Ligue 2. Après une première saison freinée par une grosse blessure en janvier 2021, il réalise un début de saison plus que convaincant dans ce nouvel exercice en inscrivant 4 buts et en offrant une passe décisive en 12 matchs. Avant centre de prédilection, Morgan Gilabogi est plus souvent utilisé sur l'aile depuis maintenant quelques saisons. Disposant d'un profil polyvalent, rapide et très percutant balle au pied, il est aussi bon techniquement et a une belle activité sur le terrain. Morgan Gilabogi doit encore travailler sa finition et simplifier son jeu pour passer un cap. Il reste néanmoins un bon renfort pour le signe national pour les années à venir. Maintenant, je vous propose de voir de quoi il est capable. Attention, ce ballon, il va arriver jusqu'à Gilabogi. C'est magnifique ce qu'il vient de faire, Gilabogi. Morgan Gilabogi, le petit ballon piqué. Attention, ce ballon avec Gilabogi. C'est bien fait, le petit coup du sombrero. On va chercher Falch. Il y a peut-être faute là sur... Ah, il y a un 2 contre 1 à jouer avec Gilabogi sur le côté droit. Puisque c'est lui qui était aux manettes quand le club est monté. La vitesse de Morgan Gilabogi. Ça t'en rentre pour Gossalves. Ça passe pour Alexis Gossalves. Pour Morgan Gilabogi qui va repiquer dans l'axe. Ah, très bon, il n'y a pas de position de hors-jeu. Gossalves sur le pied droit. De Toulon, attention à Morgan Gilabogi face à Lippini, cette fois-ci repiqué droit, le frappe, oh, il était resté derrière, il doit y avoir de meilleures propositions, on doit profiter. Lippini, ballon très long, trop long, récupéré par Morgan Gilabogi qui va pouvoir se présenter face à Valijon, deuxième tentative. Barbier, pour Morgan Gilabogi à l'épaule. Pas de fois, c'est la promotion de Chépi. Il a évolué le pied gauche, le mauvais pied. Barbier, Gilabogi, deuxième poteau. Zaoui, il est sur le deuxième poteau. Il n'a pas vu. Le pauvre Vio, la sortie compliquée.